Ah, je me suis fait piquer ma voiture, les gars. Oulala, oula. Salut les gars, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à bord de la magnifique Audi S8. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller dans mon box. Comme vous le savez, j'ai un box à disposition depuis un an qui a été en partenariat avec Polbox. Donc Polbox, c'est le nom des box de stockage. Donc en fait, ça vous permet de stocker des affaires quand vous déménagez, quand vous avez trop de choses à la maison, dans votre garage, dans votre cave. Donc c'est vraiment pratique. Les prix sont très très attractifs. Donc là, si tu peux filmer, regarde, on est en train d'arriver. Donc Polbox, ça se situe à Chassieux. De toute façon, je vous mets tous les coordonnées ouvertes 7 jours sur 7, donc de 5h à 22h. Et vous avez l'option 24h, comme vous voyez. Donc c'est sous vidéosurveillance, il y a un gardien, donc c'est vraiment top. Vous disposez du coup à Polbox d'un petit collier. Voilà, vous avez la petite clé pour votre box et bien sûr le badge pour ouvrir. Donc là, on va aller ouvrir. Vous voyez là-bas au fond, vous avez un espèce d'interrupteur. Vous bipez, ça ouvre le portail. Donc voilà, entre 5h et 22h ou alors 24h, mais ça c'est en option. Donc là, je vais l'ouvrir et puis on va voir le portail qui va s'ouvrir. Donc là les gars, on attend tranquille. Alors faut savoir, il y a deux entrées ici. Vous avez l'entrée ici au numéro 19 et vous avez une entrée de l'autre côté. Donc de toute façon, on ressortira par l'autre côté, comme ça je vous montre. Donc ici, ça appartient quasiment tout à Paul, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc lui, le gérant de la société, il s'appelle Paul. Donc il a fait appeler sa société Polbox, donc P-O-L-E Box. Voilà, donc pour rappeler son prénom et les box de stockage. Donc vous avez plusieurs tailles au niveau des mètres carrés. Et bien sûr, les prix ne seront pas les mêmes entre le 1 mètre carré ou, je dis une bêtise, le 80 mètres carrés. Donc voilà, ici vous avez, je sais plus, puisque la première fois que j'avais fait une vidéo avec lui, je sais plus s'il vend toujours des meubles. Il y avait des meubles et tout, il y avait un peu de tout là-dedans. Donc là c'est fermé, je pourrais pas vous dire, mais en gros là-dedans, il y a des choses à aller voir quoi. Donc regardez comment c'est grand, vous avez plusieurs ateliers. Donc regardez, il y a des caméras de partout. Il y a des caméras, là vous avez des entrées avec des grands garages. Là vous avez l'ouverture automatique, c'est top. Donc là faut savoir, on a un jour férié, donc c'est normal qu'il n'y a personne, mais après vous pouvez utiliser vos box normalement. Donc regardez voir. Hop, là c'est l'accueil de Polbox. De toute façon, je vous remets. Ah, les chiantes, c'était suite. Hein. J'en ai marre, hein. J'en ai marre. C'est voyant d'ABS. Me saoule. Oh. Donc Polbox est ici. Ça c'est l'accueil. Si vous venez en journée, les heures d'ouverture de bureau, donc c'est ici. Vous pouvez rencontrer Paul. Donc comme je l'ai dit, c'est super large, il y a des places. Je crois même qu'ils font de la location de véhicules si vous avez d'un camion ou quoi. J'ai vu à l'entrée. Et ils ont un atelier de communication, agence de com. Donc si vous avez besoin de faire des... Je crois que c'est des logos, des trucs. Si je veux pas dire de bêtises, c'est vraiment un truc de communication. Ils font des flyers, tout ça. Donc n'hésitez pas, hein. Regardez l'atelier com. Bah, c'est marqué qu'est-ce que je suis bête. Donc fais voir, regarde. Il est beau le taureau, la vache. L'atelier com, donc agence de communication, donc ils font des graphiques, site internet, impression, signalétique, marquage, décoration, objets publicitaires, donc n'hésitez pas. Donc voilà, là on va aller voir mon petit box qui est tout au fond. Et puis la deuxième sortie, elle est là les gars. Comme je vous disais, entrée-sortie pour les deux accès, voilà, il y a une voiture qui arrive. Et là on arrive à mon box. Tranquille. Donc moi j'ai pu mettre des affaires qui traînaient dans le garage pour me faire un peu plus de place pour la voiture. Donc regardez, hein, c'est tout indiqué, vous avez des hauteurs maximum, etc. Donc là, c'est rien que je me mets devant le garage pour pas gêner s'il y a quelqu'un. Je vais mettre sur les petites places de stationnement, comme vous pouvez voir. Et puis après, on va aller voir directement le box. Donc les gars, regardez, j'ai ma petite clé. Elle est là, avec la magnifique S8. Est-ce que je peux la rentrer dans le box, à votre avis? Est-ce que ça rentre? Non, ça rentrera pas. Et du coup, voilà, on est devant. Voilà, donc je vais aller vous montrer mon box et un peu comment c'est à l'intérieur. Je te laisse me suivre, caméraman. Quand vous arrivez, vous avez la porte qui est juste là. Donc vous attendez bien que le voyant est ouvert. Vous mettez votre bip. Donc là, on rentre. Donc regardez les gars, quand vous êtes à l'intérieur, voilà, c'est comme ça.
Vous avez plusieurs box un peu de partout. Voilà. Vous avez des grands, des petits. De toute façon, c'est tout indiqué. Là, celui-là, c'est un 18 mètres carrés, par exemple. Après, vous avez des 4 mètres carrés. Là, comme celui-ci, c'est un 3 mètres. Celui-ci, c'est un 7 mètres. Puis, vous avez des caméras de surveillance de partout. Voilà. Et puis, vous faites le tour. C'est super grand. Hein. C'est un vrai labyrinthe, ici. Donc, après, vous pouvez en prendre plusieurs. Vous pouvez prendre un grand, deux petits, selon les disponibilités. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est très, très grand. Et ce qui est top, vous avez une machine à café à disposition. Vous avez également des toilettes, etc. Donc moi, mon box, il est juste là. Donc le mien, c'est un 6 mètres carrés. Ça me suffisait largement pour aller déposer mes affaires. Donc niveau sécurité, petite serrure comme ça, là. On ouvre. Et voilà. Puis là, il y a un peu voilà, mes affaires et tout. Tac, tac, tac. J'ai des affaires de la voiture que je mets dans les cartons, 2-3 sacs et tout. La clim pour l'été qui est là-bas. Donc c'est vraiment top. Vous voyez, un 6 mètres carrés, hein, c'est quand même assez sympathique. Voilà. Et après, pour refermer, pareil qu'à l'ouverture. Vous fermez là et vous remettez la petite serrure. Et ça y est. Donc c'est bien à disposition, vous avez des petits chariots, je crois même de temps en temps il y a des transpalettes, donc ça faut chercher un petit peu. Donc là-bas, comme je disais, au fond, on va aller voir. On a des machines à café, vous avez les toilettes à disposition. Donc c'est vraiment vraiment top. Donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo que j'avais fait avec Paul. Elle est disponible sur la chaîne et je la mets en description de vidéo. Il est super cool en plus. Donc là, normalement, vous avez les toilettes, si je me souviens bien, juste ici. Et là, en gros, vous avez l'accueil principal. Enfin, comme je disais, vous avez transpalette ici. Pour les charges lourdes, vous avez un ascenseur pour monter à l'étage, parce qu'il y a des box à l'étage. Puis là, vous avez machine à café, gâteaux, sucreries, boissons, donc c'est top. Donc là, quand on est arrivé de l'extérieur, l'accueil qui est là, all box. Donc c'est top, voilà. Super grand. Alors les gars, regardez. Paul Box, donc 19 rue d'Arsenval à Chassieux. Et comme vous voyez là, tous les box, le plan d'évacuation, donc vous voyez qu'il y en a, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà les gars, puis si vous voulez ouvrir le portail, en gros, enfin, vous avez les interrupteurs ici, c'est top. Voilà, bon, là, j'en ai pas besoin, donc je me sers simplement de la porte. Quand vous partez de Paul Box, il faut bien vérifier que c'est bien fermé. Vous avez vu, bien fermé, parce que si vous fermez mal, voilà, ça va pas le faire. Moi, je serais pas content, Paul non plus. Donc moi, j'ai bien fermé ma porte. Et là, on se retrouve devant, comme je l'ai dit, Paul Box. C'est vraiment style. Ah, je me suis fait piquer ma voiture, les gars. Oulala, oulala. La belle essuie devant Paul Box. C'est magnifique. Donc voilà les gars, la vidéo va se terminer ici. Je remercie Paul pour ce partenariat qu'on a renouvelé du coup. Donc je vous mets tout en description de vidéo. N'hésitez pas, de temps en temps je mettrai des stories. Voilà, Paul il le sait, de temps en temps je repartage des stories du box. Donc l'entrée elle est là, c'est super grand. Si vous avez besoin d'un box de stockage, vous n'hésitez pas à le contacter directement par téléphone, par mail, par Instagram. Il est super super gentil. De toute façon, regardez la première vidéo de présentation. Vous le voyez physiquement, c'est un gars super cool. Donc là, la deuxième sortie, elle est là. Comme je l'avais expliqué. Donc après, vous prenez le petit bip. Vous avez la même chose que de l'autre côté, du côté du 19. Hop. Voilà, vous bipez. Bouton vert. Et après, on sort la magnifique S8. Regardez ce beau V10. Paul. C'est de la bombe atomique. Voilà, box de stockage. En plus, ici, c'est vraiment propre. J'ai déjà vu des box, hein, je ne vais pas citer des villes. Dans certaines villes, franchement, ils ne sont pas si terribles que ça. Celui-là, il est vraiment propre, il est grand. Donc, regardez, vous avez même des chariots. Okay. Ma voiture. Oh, c'est sympa quand même. Voilà. Au top. Donc, les gars, pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire. Allez voir le compte Instagram de Paul Box, hein, je vous le mets également. Donnez-leur la force.
N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un box, vous venez de ma part, vous serez reçu, accueilli chaleureusement. Donc moi j'ai une grosse dédicace à faire à Paul parce que je l'avais connu à l'époque. Quand je venais chercher des colis ici, ça faisait point relais à l'époque. C'est comme ça qu'on s'est connus et c'est un gars vraiment top, super gentil. Et je le remercie encore de me laisser à disposition le box. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, tout est en description. Moi je vais reprendre le volant et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!